Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve au Canada pour vous partager une super pépite. On a trouvé un des plus beaux chalets du Québec. On se trouve à Saint-Alexis-des-Monts. C'est à 1h30 de Montréal. On est venu à Montréal et on a décidé de se faire un petit city break de 2 nuits à la base. Et en fait, on se sent tellement bien ici. Vous allez voir, c'est un vrai paradis. Top 3 des logements qu'on a pu faire de toute notre vie. Et pourtant, on en a fait. Donc, on est ici avec Pierre, mon mari, Léo, notre bébé. Et vous verrez bien, en voyant les images du chalet, que c'est pas un grand sacrifice de rester une nuit de plus. C'est parti. Alors, quand vous allez quitter la route principale de Saint-Alexis-des-Monts, vous allez vous engouffrer dans une route de forêt qui est cette route. Sur votre gauche, vous avez le chalet numéro 1. Une fois que vous allez dans cette allée, vous pouvez garer votre voiture et à quelques mètres, vous avez l'entrée de votre chalet. Là, vous allez rentrer à l'intérieur et tout de suite avoir une projection absolument mais dingue. Regardez-moi comme c'est beau. Toute la partie avant du chalet est vitrée, donc vous avez l'impression d'être à l'extérieur tout en étant à l'intérieur bien au chaud. Le chalet est ultra bien isolé. Vous avez une cheminée électrique, une grande cuisine pour pouvoir faire de belles tablées et regarder la neige tomber. La cuisine est ultra équipée et regardez comme c'est cosy à l'intérieur. Franchement, vous vous imaginez pas vous ici? Ensuite, passons à la salle de bain. Non mais regardez-moi cette vue sur l'extérieur encore une fois. La salle de bain est ultra agréable, les matériaux sont superbes. Et vous avez même un sèche-linge et un lave-linge pour pouvoir traiter votre linge au cours du séjour. Ici, vous avez la première chambre qui est la master bedroom avec un lit mais tellement confortable, tellement haut. J'ai jamais eu des draps aussi doux. Et encore une fois, une magnifique baie vitrée sur l'extérieur. La chambre est spacieuse, vous avez tout le confort et encore une fois, vous avez les chauffages intégrés en bas des plinthes, donc une température parfaite. Ici, c'est la deuxième chambre, un petit peu plus petite, mais tout aussi confortable, avec toujours une vue magnifique sur l'extérieur. Bon, là, je vous emmène avec moi dans le jardin pour vous montrer la face avant du chalet. Non mais regardez-moi cette beauté, il s'intègre tellement bien dans l'espace. Vous avez une cheminée extérieure pour profiter de belles soirées, un terrain de volley et un jacuzzi merveilleux. Je vous raconte pas le nombre d'heures qu'on a passé à l'intérieur. Et je sais que là, vous êtes en train de vous imaginer ici. Vous avez bien raison d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous voyez à quel point c'est un vrai paradis sur Terre. Si vous venez ici, je sais que vous n'allez pas avoir envie de repartir. Je vous mettrai toutes les informations en barre de description. En tout cas, abonnez-vous. N'oubliez pas de le faire parce que je vais vous amener très bientôt en Laponie finlandaise pour vous partager toujours plus de pépites cachées comme celle-ci. Je vous souhaite une bonne journée. À très vite.